pour la suite d'aventure sur cette Détoulaille où je suis au jour 2 en mode je survivrai jusqu'au bout malgré toutes les galères qui me sont tombées dessus hein, depuis le début du jeu. On peut dire, on peut appeler ça des petites galères. Hein. Je vois que la nuit va bientôt, va pas tarder à arriver. Du coup, je vais aller couper un peu de bois, fortifier ma demeure. Parce que là, bon, c'est un peu tout plat. C'est tout plat. Du coup, eh ben, je coupe du bois. J'aimerais aller récolter quelques trucs. Demain, par contre, je vais aller faire la quête. C'est impératif, enfin, le troisième jour. 7 h du matin, paf, action, on fait la quête instantanée. Pour le moment, à part matraquer des troncs, je vais lancer les crafts d'ailleurs pendant que je fais au passage ça. Donc, Woodspeak. Que 4? Oh, c'est pas ouf. Il faut vraiment que j'augmente mon niveau. Ah, mais c'est pas l'XP qui. En fait, c'est infime quoi, les quêtes rapportent tellement plus. Quand tu vois que ça rapporte 1000 points, tuer un zombie c'est 1000 ou 500 points. Limite, ça serait plus facile de partir à la chasse aux zombies pour prendre de l'XP quoi. Wow. Plus 2. Allez, c'est parti, faut enchaîner. Ouais, si. Réparer un peu tout ça. Je m'amuserais à planter des arbres, mais pas à côté de chez moi. Je l'avais fait dans une partie avant, mais au final, ça apporte que des emmerdes. Couper un arbre en étant safe. Vous tournez autour pour regarder si vous voyez pas des zombards. Ah, c'est pas trop mal. Je vais les relancer, hop, 2 en plus, nous sommes à 8. Ok, bon moi je l'ai pas, je suis planté de côté. C'est top. Nous sommes pas trop mal. En fait, peu importe comment on... Oh putain, et je me suis pris mon propre piège. Action de teubé. De toute façon. Oh, l'action de thug où je prends mon propre piège dans les wads. Il me faut quand même encore un peu plus de bois. Le gros tronc là, ça devrait aller. 1200 HP, putain, ça va être long. J'ai pas encore les compétences à fond, donc forcément, le début. Ce début, ça reste ultra long. Hein. Je vais au moins protéger un peu pour cette nuit, sachant que je sais que dans 7 jours, ça va être Bagdad. Complètement Bagdad. Du coup, il vaut mieux massacrer un peu tous les arbres. Ça irait mieux avec une hache en fer. Vraiment, il va falloir que je me développe, hein, parce que sans se développer, si je reste en mode primate, je vais pas aller bien loin. Lol, elle a cassé. Alors, elle fait quasi le bout. Hein. En profiter. Ah, il me faut du fer. Pour le refus que ça fait quand l'arbre tombe. Et pourtant j'ai baissé le volume. Hein. Et pas qu'un peu. 3. Bon, ça devrait être pas trop mal.
quelle heure? 18h23, la nuit tombe à 21h. J'ai de quoi tenir un petit moment. J'avais fait des œufs, je crois. Non. Je l'ai pas fait cuire. Ah, j'ai dû les passer. J'ai dû les passer. Donc, je vais quand même. Fabriquer le peu de flèches que je peux faire. Ramasse bâtard. À peine je tourne le dos que ça arrive sur moi. Bon, après on peut se taper une petite mission là-bas. J'ai vu qu'il y avait du maïs, ça pourrait être très pratique ça pour commencer des cultures. Par contre avec 23 HP ça va pas être ouf. Est-ce que j'ai pas des points? Heureusement j'ai pas de points. Du coup il va falloir que j'y aille très délicatement. Ou alors je peux aussi... Ça, ma vie remontera plus vite. Ah, le zombie, putain. C'est vrai que c'est un peu fort. Hein. Moi, ça m'explose les tympans. Du coup, je vais baisser un peu l'audio. Je suis à 30%. Volume général, allez, on va le mettre à 20. Voix, microphone, ça, on s'en fout. Volume sur ambiant, on va laisser comme ça. Appliquer, allez, back. Back. Putain, mais. Crève! Salope! Putain. J'avais pas vu le petit nid. T'as de Saint-Doux là. Allez. Le maïs, c'est pour moi. Saleté de corbeau. Oh putain, alors cela, c'est vraiment le cancer. Il y a un zombie quelque part. Putain, il y a encore un oiseau. Regarde ça là-bas. Et là. Oh oui, forcément, il y a des zombies partout. Allez, allez. Merde.
J'ai mis un coup de trop. Tant pis. Lui, on va l'éclater parce que ça peut être un futur merdeur. D'accord. Ah, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Hop, on récupère un peu de bois. Putain, ça pleut. Allez, allez, allez. Hop. Il va faire nuit. 20h. J'aimerais bien être rentré pour la nuit. Histoire d'être quand même en sécurité. Je viens de voir un zombie. Non, j'hallucinais. Le jeu où t'hallucines tout le temps, tu sais, tu vois des zombies partout. Ils sont partout. Ils sont partout. Ah. Profitons-en, un peu de pierre, ça fait jamais de mal, avec le fer en plus que je pourrais faire fondre. Il faudrait que je voie pour craft une force, donc à mon avis, faire une forge, il va falloir que je parte en exploration. La nuit me permettra de récupérer tous mes HP, c'est pas mal, enfin tous. L'allure où il monte, c'est vraiment très très low. Putain, mais c'est quoi, c'est des cailloux Dans Cassin, il y en a 10 qui ressortent. En fait, le farming, l'XP farming, c'est vraiment un bonus quoi, un léger bonus. Hein. Tu vois la barre bleue en bas là. Allez, celui-là on va le récupérer. Nice. Vous ne rentrez pas. Je sais qu'il y a des sacs, je sais pas. Ça, je crois qu'il faut les péter ou. Je vais me fouiller. Par contre, le raffut que ça fait. Même un petit coffre, c'est ça. Ça fait un putain de bruit. Ah, j'ai de la cancer. C'est quoi ça? Taxide. Ok. J'ai du plomb. J'ai de la pomme de pin. De la fibre végétale. Des œufs. Le maïs qu'il faudrait que je replante derrière, le coton. J'avais foutu le coton. Mais le charbon, on le posait là. La conserve, on la garde, la vitre. C'est la vitre. Hein. Prendre, équiper, recycler. Et la colle. Golden flower. Viande brûlée. Ouh, c'est pour ça. Alors ce que je vais faire. Je vais en profiter pour faire un peu de rangement. Hein. J'ai pas mal de. D'armes. En l'occurrence. On peut dire que c'est ça, ouais, c'est des flingues. Des armes, des trucs comme ça. Planquer tout ce qui est armes à feu et balles. Voilà. Ensuite. Ok, bah ça fait que les trois. On pourrait mettre la bouffe là-dedans. Et là, on va mettre les orques. Vas-y. Ça ira bien. La bouffe. Alors tout ce qui est alimentaire. Tiens, il y en a un. Par contre, je suis pauvre en argent. On peut dire que c'est
la nourriture, hein, le maïs il se mange. Ça devrait être pas trop mal. Ça y est, la nuit est tombée, 22h. Je suis encore à la base. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, comment... J'avais dit que je voulais faire une forge. Alors, si je tape F-O-R-G. La forge. Il me faut de la petite pierre, des morceaux d'argile, un soufflet et un petit tuyau. Est-ce que je peux le fabriquer, le soufflet? Je crois. Soufflet, oui. Alors, pour le soufflet, il me faut du bois, du cuir, des petits tuyaux, ruban adhésif et des clous. Le ruban adhésif, je sais qu'on peut le faire avec de la colle. Donc, à la limite, ruban adhésif en toile. Il me faut de la colle et des morceaux de tissu. Est-ce que j'ai ça? Oui, j'ai 4 morceaux de tissu et de la colle. Alors, fabriquons les 4. Comme ça, si je peux fabriquer mon propre soufflet. Nice, et puis au moins ça me fera gagner un peu d'XP. Bon, je sais même pas si j'ai pris 6 points. Ah, j'ai mes 5 tubes adhésifs. Donc ça je vais y mettre de côté ici. Ça je vais l'enlever. Maintenant il me faut le tuyau, le petit tuyau. Alors ruban. Hop, S-O-U-F. Le soufflet. Il me faut petit tuyau en fer. Donc, je tape petit tuyau en fer. Il faut un de fer forgé. Oh, j'en ai 3, c'est génial. S'en sort plutôt bien. Nickel, mon petit tuyau. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, on retourne sur le soufflet. Soufflet. Ah merde, il m'en faut 2. Et des clous. Je sais pas si je peux les faire, les clous. C-L-O-U. Ah si, je peux les faire, les clous. Les clous servent iron et clay. Ils se font. Ok. Dans une enclume. Établi. Ok. Bon. Ça demande un peu plus, mais bon. C'est que les fringues de toute façon. Ça c'est la déco. Ah si, des torches. Ah mais ça. Je peux pas les faire. Les bougies. Fibre essuie, torche, massue, sac. Forge. Pas qu'il me faudra de la clay, de l'argile, des tuyaux, donc limite ce serait faire une pelle. Ça peut être pratique. Pelle en pierre. Bois, fibre et pierre. Ok. Fabriquons la pelle. C'est qu'une pelle en pierre, mais bon, ce sera toujours ça. Aussi ces conneries.
profiter, je vais quand même réparer ma massue parce que bon, elle fait mal. Parfait. On va refaire un petit tuyau. Voilà. On va ranger le fer forgé, la quincaillerie, les bidons d'essence, les bidons de pétrole. Ça, je sais même pas à quoi ça sert. Tu peux y recycler, mais tu y recycles en quoi? En papier. Ok, bah ça me fait du papier. Mais s'il n'y a plus de papier dans les chiottes. Hein. Voilà, mon deuxième petit tuyau, je remets ma fibre, ma plante de coton, le verre, le laiton, les fringues qui sont là. Alors, kit de réparation. Le kit de réparation se fabrique à partir de tissus. Enfin, faire forger, servent à réparer les armes, les outils motorisés, les véhicules et bien d'autres choses. Ok. Ok. Mettre la massue ici. Je vais sortir dans pas longtemps de toute façon. Je me fais quand même une petite checklist hein, parce que j'ai un look de merde. On va quand même changer un peu la gueule du perso parce que là déjà un peu mieux. Ouais. Ah ouais quand même. Quand même hein. Ah si je fais modifier. Cold resist. Ah c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ça que je veux modifier. Limite, ça serait plutôt. Je vais le recycler. Du coup, je vais enlever ce qu'il y a sur moi. Hop. Limite, les chaussures, parce que c'est sûr, ça a l'air d'être une grosse potine. Je peux pas. Ok, en fait, si tu trouves d'autres chaussures. Alors, est-ce que ça marcherait avec le pantalon? Tac, 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 tac. Je vois la différence en fait. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas comment ça marche leur modification. T'as cold resist 6 et 4 et là j'ai cold resist 4 et 4. 8 resist. Ok, 1 et 1. 3 et 9. 1 et 7. J'ai pas de lopac, j'ai pas de pastron. J'ai pas de jambière. En gros j'ai que dalle.
C'est chelou. Vraiment chelou. Je sais pas comment du tout ça marche. Il va falloir que je me renseigne un peu dessus. Nous sommes à 1h20 du matin. Il est quand même temps pour moi de... Je vais pas rester là à rien foutre, hein. J'ai récupéré 62 HP sur 100. On est plutôt pas mal. On y va. Allez, c'est parti. Je reverserai pas la nage par contre. Et je vais regarder la map. C'est là, donc si je descends, je prends le pont et je devrais y arriver. Donc suivant la route. Ah, Annie. Le truc le plus utile, quoi. Oh, merci. Je vais en avoir des plumes pour faire des flèches. Pour le moment, je croise pas trop de zombies, donc ça va. Ça passe. C'est correct, hein. Pas... Oh, un sac. Merci. Une belle petite maison. Speed limit 25. Je pense pas que je les dépasse, hein, franchement. Pauvre petit pignouf là qui court à pattes. Pas le pont d'eau est à droite. Ah, un zombie. Ça faisait longtemps. Mais tu ne mourras pas. J'espère juste pas retomber sur l'ours. Là, il y a des gros bâtiments là-bas, faudrait que j'aille les fouiller. J'étais passé sur des gros trucs. Alors, on pend. Le sac poubelle, il m'a fait flipper ce truc. Mais encore loin de l'objectif. Hein. Saleté, putain de bizarrerie. Ouais, d'accord. Je peux taper avec la torche. Torche humaine. J'aurais loupé le spot.
un cochon. J'ai peut-être fait le boulet. Non, non, non. Arrête-toi, putain. Je me fais courir par un cochon et des zombies. Alors ça c'est la meilleure. En plus j'y vois pas à 15 mètres devant moi. Du coup c'est la baise. Je vais courir comme un enculé. Mais tiens bon mon pélo, tiens bon. Hein. C'est la panique à bord. D'accord. J'aimerais que le jour se lève, putain. C'est vrai que partir la nuit, c'est pas très ouf. Hein. La prochaine fois, je fais un petit avance rapide. Hein, histoire de pas vous ou une ellipse. Je suis en fuite. Je sais même pas où je vais. Hein. Ah. Ok. Bon, bon, on découvre. Hein. On fait tout le tour du lac. Je vois le soleil qui se lève. C'est plutôt bon signe. Oh, nice, nice, nice. C'est passé avec ce soleil qui se lève que moi je vous laisse et je vous dis à plus pour la suite d'aventure où je suis prêt de ce putain de coffre. Nous allons voir ce que ça donne. Allez, bye tout le monde.